m'appelle Romain Lhôpiteau. Je suis agriculteur ici, là, sur la ferme au Colombier. Je me suis installé en 2007 en agriculture biologique à la suite de mon père qui avait converti l'exploitation en 1978. Donc ça fait 43 ans qu'on cultive bio sur cette ferme. En production, nous avons des céréales, hein, blé, orge, avoine, seigle, triticale, maïs. On a du sarrasin, des pommes de terre, des betteraves sucrières, de la luzerne, puis des légumineuses, févroles, pois. Donc on transforme une partie de cette production en farine. Donc on a une boutique qui est ouverte tous les samedis. Et dans cette boutique, donc on vend non seulement les produits de la ferme, et aussi un petit peu d'achat-revente. L'idée d'accueil public en transformant les bâtiments nous est venue naturellement. Donc là-bas, on a une porcherie qui s'est transformée en garage et puis après en espace d'accueil pour les enfants. Il y a une ancienne petite bergerie du XVIIe siècle qu'on a convertie en salle de réception. Et puis après, la salle de réception est venue une forte demande d'hébergement. Actuellement, on a deux chambres d'hôtes et un gîte. Et puis là, le colombier qui est derrière moi, depuis cet été, il sert de présentation d'une lecture, une lecture en costume. Bienvenue à la ferme nous apporte peut-être un rapprochement avec les autres agriculteurs, avec tous les consommateurs, les citoyens. Depuis 40 ans, on est en agriculture biologique et on avait l'habitude chaque année de faire ce qu'on appelait des portes ouvertes pour introduire les citadins, les consommateurs dans nos fermes. Et en ouvrant vers Bienvenue à la ferme, on atteignait un public beaucoup plus large de consommateurs, de citadins. Et donc, on a, avec Bienvenue à la ferme, je pense, attiré plus de monde et fait connaître un peu mieux notre type d'agriculture et l'environnement de la ferme.